Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous prépare une guidance portant sur les flammes jumelles. On va essayer de voir un petit peu où vous en êtes dans le parcours et bien évidemment où en est votre flamme jumelle également dans ce parcours. Dans ce parcours de flammes jumelles. Avant ça, je voulais vous demander, s'il vous plaît, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout de partager aussi votre parcours, s'il vous plaît, parce que ça fait énormément de bien aux gens qui vont vous lire. De se dire que finalement ils sont pas tout seuls à vivre dans cette galère. N'hésitez pas à partager vos expériences. Si le tirage fait référence effectivement à quelque chose que vous venez de vivre ou que vous viviez déjà depuis quelque temps, eh bien n'hésitez pas à nous le faire partager, à échanger entre vous dans cet espace en fait qu'est cette chaîne. Ça fera énormément plaisir à tout le monde de lire les commentaires de chacun et les parcours de chacun. Merci beaucoup à vous. Et puis bah, surtout si ça vous parle également, ça me fera plaisir de le lire, bien évidemment. Allez, c'est parti pour le tirage. Sachant que ces tirages flammes jumelles, guidance flammes jumelles, sont possibles en rendez-vous individuel. Vous avez aussi les travaux de libération des blocages karmiques qui peuvent faire énormément avancer. Du coup, votre polarité, mais qui peut, par effet des vases communicants, faire travailler également votre jumeau. votre jumelle. Et puis, vous avez aussi la canalisation d'un message de l'âme de votre flamme jumelle qui est possible. Vous retrouverez toutes ces informations à la fin de la vidéo dans les prestations que je vous propose, ainsi que les coordonnées pour prendre un rendez-vous. Allez, c'est parti pour le tirage. Allez, donc avec le tarot des flammes jumelles, on va essayer de voir un petit peu où vous en êtes, où en est votre jumeau, ou votre jumelle, et où on en est dans ce lien en ce moment, et vers quoi ça tend. On aura aussi une carte pour savoir où ça va, hein. Allez, c'est parti. Là, on est parti pour votre jumeau. Votre jumeau, votre jumelle. Sachant que les premières et deuxième lignes, vous pourrez les intervertir, bien évidemment. Ça parlera peut-être plus à certains qu'à d'autres hein, sur la première ligne pour le jumeau. Et puis en fait, on va forcément peut-être se retrouver plutôt dans la deuxième ligne. Eh bien, il n'y a pas de souci. Oh, je ne vais pas y arriver. Voilà, en gros, il faut intervertir. Ça y est, j'ai retrouvé. Intervertir les deux lignes. Voilà. Non, mais. Oh. J'ai du mal à parler, mais c'est pas possible. Donc voilà, vous inversez, et puis si ça colle comme ça, si ça colle mieux, effectivement, c'est vrai qu'au-delà d'un certain point du parcours, on peut se retrouver dans les deux lignes, hein, aussi bien le chaser que le renard. Donc n'hésitez pas à adapter aussi en fonction de ce qui se passe. Allez. Choisir quand même. Allez, je crois que je vais les choisir parce que c'est un peu long à tomber. Allez, ici on va être dans vos énergies à vous, où est-ce que vous en êtes? Voilà. Et puis on va repartir sur le lien. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous raconte pour le lien.
Voilà. Allez, on a notre tirage. Allez, sur cette première ligne, vous allez avoir les énergies en ce moment du jumeau ou de la jumelle. Ou de vous, si vous vous y retrouvez plus là-dedans, à ce moment-là, vous inversez les deux lignes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Gardez votre discernement, bien évidemment, ce n'est qu'une guidance générale. Rien ne vous répondra mieux qu'une guidance personnalisée. Donc, si vous êtes un peu dans le flou, eh bien, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous privé pour vous éclairer dans toute cette situation. Allez, le jumeau, la jumelle, dans quelles énergies il ou elle est? Alors, on a le lâcher prise. Donc, visiblement, un jumeau ou une jumelle qui a compris qu'il devait lâcher prise peut-être sur certaines choses, notamment peut-être sur ses masques, c'est ce qu'on est en train de me dire. Donc c'est bien, il y a une compréhension de cette chose-là, une compréhension qu'il y a un faux self, qu'on n'est pas voilà, toujours très authentique, et qu'il va falloir se rallier à cette authenticité, mais en même temps on lâche prise par rapport à ça. On a cette info, mais on n'en fait pas un foin, on ne se flagelle pas pour autant. On laisse les choses aller, mais dans le bon sens. On lâche prise sur les choses, sur la situation. On arrête de se courir après dans le côté je me flagelle, je me punis, je me fais du mal, je m'auto-détruis comme a cette tendance finalement le runner. Hein. Donc finalement il y a un lâcher prise là-dessus et j'ai envie de dire tant mieux. Il se trouve que actuellement il ou elle est en train de travailler sur son masculin sacré. Bien souvent le runner c'est l'énergie Yin, l'énergie qui va fuir le lien, qui va plus être dans le côté réceptivité, ressenti interne, etc. Mais qui va avoir du mal à acter. Et ici, effectivement, quand on est sur le chemin de la complétude, à un moment donné, on vous demande de travailler sur la polarité qui est moins dominante chez vous. Et ici, chez le Yin, eh ben, on va faire travailler le masculin sacré, donc le Yang, pour être beaucoup plus dans la matière, pour être beaucoup plus dans l'action, etc., dans la concrétisation de certaines choses qui, effectivement, cher Chaser, vous allez me dire, bah effectivement, on attend un petit peu de ça aussi de notre honneur, c'est qu'il acte des choses. Voilà. Alors, on nous parle ici d'énergie aussi de retrouvailles. Il est possible effectivement que votre runner envisage de vous retrouver, de venir vous voir, de vous demander un rendez-vous, ou s'il n'y a pas eu communication depuis un petit bout de temps, déjà de renouer un dialogue, voilà, sans dispute, sans conflit, dans le calme, l'humour, comme vous auriez pu être avant par exemple, dans la légèreté. Mais des retrouvailles, alors après on va essayer de voir hein, ce qui nous attend, parce que les retrouvailles, elles peuvent être temporaires, comme elles peuvent être pour annoncer la réunion. Donc là, avec la carte de vers quoi on va peut-être avoir une réponse sur est-ce que ces retrouvailles, elles sont dans un but sérieux de partir sur éventuellement une réunion, ou est-ce qu'on est plus dans des retrouvailles qui vont nous faire travailler et puis après il va y avoir une refuite du runner, je ne sais pas, on va aller voir ça. Bon, on va retirer une carte. Ici on nous parle de l'énergie tierce, voilà, après c'est bonne nouvelle, fallait bien que ça se tasse un peu. Fallait bien qu'on en mette un petit coup de massue derrière, hein, voilà, parce qu'on nous a donné un peu d'espoir avec les retrouvailles. Et bien ici, on nous parle de l'énergie tierce. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous faire, cette énergie tierce, dans cette carte qui est censée nous annoncer l'avenir, ce qu'on attend, vers quoi on va. Donc, si on prend le tirage littéralement, il va vers son énergie tierce.
Bon, qu'est-ce qu'il va faire avec cette énergie tierce? Est-ce que il est là dans des énergies plutôt de dire je dois mettre fin, ou est-ce que bah, finalement il reste dans sa zone de confort avec son énergie tierce? Allez, une carte est tombée. La carte de l'intuition. La carte de l'intuition. Il a des intuitions concernant cette énergie tierce, qui est, somme toute, j'imagine, comme toutes les énergies tierces, un peu toxiques sur les bords. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que, de quoi il a l'intuition par rapport à cette énergie tierce? Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, on essaye de nous répondre, s'il vous plaît. Il y a du manque, visiblement. Bon, on va arrêter de s'obstiner. J'aurais voulu vous donner une bonne nouvelle. Alors, ça peut en être une quand même, parce que le manque ici, j'ai pas l'impression que ça soit le manque de la tierce. J'ai plus l'impression d'une prise de conscience, de l'intuition en fait qu'il retrouve par rapport à sa relation avec sa tierce. Comme si on venait lui pointer du doigt en fait. Tout ce qu'il n'a pas finalement avec cette tierce et qu'il pourrait peut-être avoir avec son chaser. Donc, on va vers ça. Voilà, il faut encore que ça se décante, mais a priori, ça part dans une bonne direction. À vous, cher chaser, d'avoir de nouveau comme deuxième prénom le mot patience, hein, puisque ça fait partie aussi de notre parcours en tant que chaser. Voilà, voilà, hein. Bon, on part dans un sens quand même plutôt positif. Voilà, même si c'est pas tout à fait ce que vous attendiez, on est là-dedans. En tout cas, il y a une prise de conscience que la tierce finalement n'amène pas tout ce qu'il souhaiterait et que les choses pourraient être différentes avec vous. C'est bien, déjà, c'est bien. Allez, de votre côté, qu'est-ce qu'on vous dit? Les énergies du moment. Bon, les énergies du moment. Les énergies du moment. On nous parle ici de libre arbitre. Vous avez certainement une vision des choses qui amène un certain libre arbitre dans cette relation. De flammes jumelles. Alors, c'est un sujet délicat, le libre arbitre. Déjà, en tant qu'individu, mais alors quand on parle de flammes jumelles, c'est encore plus délicat. Le libre arbitre, je pense de plus en plus qu'il est là plutôt comme quelque chose de créé par l'ego. Qui vient nous dire en fait ça me rassure, je me dis que j'ai le pouvoir de faire des choses, de changer des choses qui me plaisent pas ou qui peuvent m'apparaître comme étant trop difficiles. Et finalement, bah, je choisis plutôt que d'être dans cette relation souffrante, de me décentrer par rapport à tout ça. Pourquoi pas d'envisager une relation avec une tierce, puisque Monsieur Runner ne se décide pas, il n'acte rien dans la matière pour le moment, Monsieur ou Madame, hein, parce que ça peut être les deux. Eh bien, je vais voir un petit peu ce qui peut se passer ailleurs, puisque ce n'est pas juste que je me sacrifie en attendant que Monsieur ou Madame se décide un jour, peut-être dans une vie ou dans une autre, ou dans 150 millions de vies, que je suis la bonne personne, etc., etc. Donc il y a du décentrage en fait, décentrage par rapport à ce lien, puisqu'en pensant comme ça, on ne fait pas sa vie pour soi, mais on fait sa vie plus pour compenser quelque chose qui n'est pas amené par son runner ou sa runneuse. Donc décentrage. Est-ce qu'on ne serait pas finalement dans une énergie de switch possible? De toute évidence, il y a quand même la carte de la communication. Alors, la carte de la communication, on va essayer de la préciser, puisque si on est en libre arbitre, si on est en décentrage, a priori, on ne risque pas de tenter de communiquer. D'accord.
Donc, il y a des communications qu'on perçoit par rapport à ses propres limites, hein, les limites qu'on a pu mettre ou qu'on se met à soi. Donc, plutôt des messages de l'extérieur, finalement. Alors, quand je dis l'extérieur, ça peut être par des synchronicités, on vous fait comprendre, en fait, cet aspect-là, ou ça peut être tout simplement, si vous arrivez à communiquer avec vos guides, de pouvoir avoir cette info par vos guides. Il est possible aussi qu'on vous invite à communiquer à vos guides, avec vos guides, pour justement vous replacer sur votre chemin, mais droit sur vos rails en fait, et pas dans le côté je suis décentré, je vois que le négatif des choses, etc. etc. Allez, vers quoi on va? Oh, belle carte, le couple sacré. Malgré tout, avec ça, on arrive vers le couple sacré. Bon, bah écoutez, tant mieux. En tout cas, on a conscience qu'il y a ce couple sacré qui est présent. Présent en termes d'énergétique. Hein. Je vous rappelle que tout se crée dans l'énergie avant de se créer dans la matière. Donc, il est possible qu'avant qu'il y ait eu ce décentrage, vous soyez dans des énergies suffisamment hautes, on pourrait le dire comme ça, pour en fait, recréer une espèce d'harmonie déjà en vous. Hein, déjà en vous, quand on parle de couple sacré, alors oui, on peut parler du couple de flammes jumelles, mais avant d'en arriver à ça dans la matière, il faut l'avoir en soi, hein, cette énergie yin et cette énergie yang, on doit l'assembler en nous en fait. Hein. Donc on va vers ça, donc on va vers ça, peut-être une complétude finalement, ce qui explique aussi peut-être que ça avance de l'autre côté, hein, chez le jumeau ou la jumelle. Donc c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Allez, pour le lien, dans quelles énergies on est? Alors, on parle de lien énergétique. Donc déjà, il y a conscience de ces liens. Peut-être qu'ils se renforcent, ces liens énergétiques, puisque on nous parle ici d'une défiance. Alors, je pense que c'est plutôt une défiance liée au passé. Et on nous dit, après cette défiance, finalement, viennent se renforcer un petit peu ces liens énergétiques qui ont un petit peu perdu ces derniers temps, puisque défiance, puisque limite, puisque déni, etc., etc. Donc, on vient retrouver des liens un petit peu plus forts quelque part. Et on me parle aussi ici d'union sacrée. Donc, l'union sacrée qui va faire référence finalement au couple sacré aussi ici. Hein. Donc, on retrouve des choses quand même hein, entre le décentrage et la défiance, entre les liens énergétiques qui se renforcent avec cette idée de retrouvailles chez la flamme jumelle plutôt yin. Donc, il y a des choses quand même qui se rejoignent, hein, ce qui n'est pas du tout étonnant hein, finalement. Mais on a des choses qui viennent confirmer ces choses-là. Donc, l'union sacrée. On est dans des énergies quand même d'union sacrée, même s'il y a un petit décentrage ici sur l'un des deux jumeaux, ça va pas durer ad vitam aeternam, c'est une passe, une mauvaise passe, mais ça va revenir. Vers quoi on va? Vers quoi on va dans le lien? Tiens donc, les nouvelles. Les nouvelles, les nouvelles, les nouvelles. Je vous rappelle qu'il y a conscience chez la polarité fuyante. Le yin masculin sacré, il y a cette notion de manque, cette conscience finalement que sa tierce ne lui amène pas tout ce qu'il voudrait. Il y a des énergies de retrouvailles, donc on y pense sérieusement. On a le couple sacré ici chez l'autre jumeau, l'autre jumelle. Et ici, on nous parle d'un futur avec des nouvelles. Donc c'est complètement cohérent. Attendez-vous à des nouvelles. Attendez-vous à des nouvelles d'ici peu. Mettez-moi tout ça en commentaire. Je voudrais savoir. Je suis curieuse. J'ai envie de me dire, chouette, il y a des petites choses très sympathiques qui arrivent. N'hésitez pas à me le faire savoir. Donc des nouvelles. On reprend contact, peut-être dans l'optique de se réunir, de prendre conscience peut-être aussi que la tierce n'amène pas ce que la jumelle ou le jumeau offre de l'autre côté et que bah, finalement c'est pas possible de continuer comme ça. Voilà. Plutôt positif.
C'est plutôt positif. Allez, j'ai envie de vous tirer aussi un petit message des âmes, de l'oracle des âmes amoureuses, pour savoir un petit peu quel est le message. On va parler du chaser en premier, j'ai envie. Le chaser en premier, qu'est-ce qu'il pourrait dire à son runner? Allez. Le chaser en premier, qu'est-ce qu'il peut dire à son runner? On a deux messages. Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi. Je vais réussir à me libérer. Alors ça pourrait être les énergies du runner finalement, puisque on parlait de la tierce qui n'amène pas finalement ce qu'on souhaiterait. Mais le chaser est aussi dans une forme de... Alors il n'y avait pas de la défiance, ça c'était sur le lien, mais il y avait quand même l'idée d'être décentré, donc c'est pas impossible hein, effectivement pour le chaser. Je sais pas si vous arriverez à lire, je crois que ça doit être à l'envers, donc ça doit pas être simple. Voilà. Et puis l'autre message, je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Donc ça, c'est le chaser. Le chaser qui, du coup, bah, effectivement, travaille peut-être à fond sa blessure d'abandon pour justement arriver à une complétude. Donc on lui fait expérimenter la solitude, même si il ou elle peut être entouré malgré tout, ce qui n'empêche pas ce sentiment d'être seul, d'être abandonné. Mais voilà, en même temps, ça fait travailler. Donc forcément, il va aller vers son propre bonheur, sa complétude, etc., etc. Allez, quel est le message du runner au chaser? Quel est le message du runner au chaser? Hop, ça fait... Bon, je pense que je vais prendre les trois retournées. Je regarde quand même les autres qui se sont retournées, qui se sont pas retournées. Je vous les lis, mais elles se sont pas retournées. J'ai décidé de pas les garder, donc peut-être un peu dommage de les lire, mais je suis pas, j'ai envie. Peur de te perdre, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Et oui, je te dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tu es mis en lumière, tout est mis en lumière, c'est très bien. Bon, d'où l'espoir, effectivement, qu'il y a quelque chose qui se décante, hein, puisque on amène aussi, vous vous rappelez, hein, il y avait le côté, je commence à conscientiser que la tierce ne m'apporte pas ce que je voudrais. Donc il y a des choses quand même de cet ordre-là, avec la notion peut-être effectivement de perdre son chaser, hein, si à un moment donné ça bouge pas, quoi. Allez, les trois cartes qui se sont retournées. On a Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc effectivement, il y a plein de pensées. On parlait de pensées de retrouvailles, hein, donc forcément peut-être avec des bons moments dont on se souvient. Des choses comme ça. Et puis, visiblement aussi des synchronicités hein, qui vous imposent à lui. Donc, y a besoin de ça. Hein. Il y a besoin de ça, de conscientiser ça aussi chez le runner. Là, il vous demande de croire en lui. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors, énergétiquement parlant, effectivement, si le chaser ne croit pas en son masculin sacré, ça va être compliqué pour lui d'acter dans la matière, même s'il doit quand même se construire seul, comme nous, chaser, on l'aura fait bien avant lui. Il y a besoin de croire que ça va marcher, d'où ce parcours de foi aussi. Hein. Quand on vous dit le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours de foi, ben on est complètement là-dedans. Hein. Voilà. Ayez confiance du coup que ça se passera. Et le dernier message, nous deux, c'est très fort.
Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc vous voyez, on a ici un jumeau ou une jumelle qui est très consciente finalement de ce lien particulier, d'amour très très fort, et de cette attirance aussi hein, qui lui fait de l'effet, hein, puisqu'on a des papillons dans le ventre, donc c'est qu'il y a quelque chose d'assez exceptionnel, qu'on ne sent pas forcément avec tout le monde. Effectivement, il prend conscience, il ou elle prend conscience de ça, que c'est un lien très particulier entre vous et surtout très fort. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.